Au cours de cette émission, nous nous sommes fis avec Son Excellence Monseigneur Sikoulé Melchisedec, qui a lu intégralement la lettre sur le message de la Cinco à la population de Butembo. En effet, les jeunes de la paroisse se sont exprimés à notre micro en appuyant le message de l'évêque, tout en se mettant d'accord à garder la paix, l'unité dans leur paroisse. Ainsi, ils appellent aussi d'autres jeunes à collaborer toujours avec les autorités et surtout à dénoncer tout cas suspect pour en fait d'éradiquer les camps qui prévaut dans la ville de Beni ainsi que les environs. Seigneur, l'évêque du diocèse de Butembo Beni a presque tout dit. Il nous a informés de cela. Cela parce que tout est entre les mains des jeunes. Nous jeunes, nous pouvons. Peuple congolais, ne nous laissons pas voler notre souveraineté. Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen. Coffert, Romains 13, 11. Message de la 57e Assemblée plénière des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Cinco. Nous, cardinal, archevêque et évêque, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, réunis en assemblée plénière à Kinshasa du 12 au 15 octobre 2020, nous par notre sollicitude pastorale. Nous sommes penchés, entre autres, sur la situation alarmante que traverse la RD Congo, notre terre de prédilection. Avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu qui a épargné notre pays de la catastrophe redoutée suite à la pandémie de la COVID-19 et nous implorons sa miséricorde pour ceux-là. Malgré nos différents appels aux alliés de la coalition au pouvoir de cesser leurs querelles intestines et de se consacrer à travailler plutôt pour l'intérêt de la population, nous sommes profondément peinés de constater que les acteurs politiques accusent une indifférence révoltante pendant que le pays est au bord de la faillite. Il se trouve dans l'impasse à cause de la crise politique croissante et de ses conséquences. La paralysie de la coalition affecte et affecte tous les secteurs de la vie nationale. Cependant, l'économie du pays connaît une forte régression avec une diminution drastique du pouvoir d'achat de la population et partant un accroissement de la pauvreté et du chômage. Le secteur minier sur lesquels le pays pouvait compter est, comme beaucoup d'autres, gangréné par la corruption et bénéficie plus à quelques individus, aux multinationales et aux groupes criminels militarisés qu'à la population. Par ailleurs, cette situation entraîne
la baisse inquiétante de la réserve d'échange et blocage économique. Elle est d'autant plus préoccupante que notre pays reste encore tributaire de l'appui et de l'encadrement international spécial pour sa survie et son fonctionnement. Compte tenu du blocage politique et économique que connaît notre pays, les efforts entrepris, tels que la gratuité de l'enseignement de base et le début de la régularisation de la paie des enseignants, risquent d'être anéantis. Au plan sécuritaire et humanitaire, la situation sécuritaire demeure délétère, spécialement dans la partie orientale du pays, notamment dans les provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu, ainsi que de Tanganyika. Nous y remarquons la stratégie de dépeuplement par des massacres de populations locales, d'occupation des terres et de contrôle de ressources naturelles. Les massacres perpétrés dans les territoires de Beni et de Djougou, tout comme les conflits communautaires dans la zone de Minembwe, illustrent à suffisance cette situation. Aussi, les conflits communautaires récurrent démontre-t-il la faiblesse de l'État qui semble inexistant dans les lieux où prolifèrent les milices et groupes armés de tout genre avec leur cortège de misère. Dans plusieurs autres provinces, tant de faits nous tourmentent par leur gravité et leur répétition. Les enlèvements avec demande de rançon, les vols à mains armées, les viols, les assassinats, etc. À cela s'ajoutent les conflits frontaliers avec la quasi-totalité des pays voisins, dont les forces armées régulières font des incursions sur les territoires de la RD Congo et occupent des villages et cités de notre pays. Au plan des droits humains, alors que les élections de 2018 placés sous le signe de changement, ont malgré tout nourri l'espoir de l'avènement d'un état de droit, il s'observe malheureusement une restriction des droits humains. En effet, l'élan des libertés d'expression et de manifestation publique salué avec enthousiasme par notre population, évolue à dents de scie. Ici et là, certains partis politiques se substituent aux services étatiques et portent atteinte non seulement à l'ordre public, mais aussi à la dignité humaine et au respect des droits humains. Continuons à être créatifs,
ardent au travail et solidaire pour faire face aux conséquences économiques vécues au quotidien. Résistons pacifiquement à la balkanisation de notre pays, au dépeuplement et à l'occupation des terres par la cohésion nationale et le refus de la trahison, en privilégiant le sursaut du patriotisme aux côtés de nos forces armées et de sécurité. La RD Congo est notre terre, don béni, notre patrimoine inaliénable, et nous ne devons pas nous le laisser ravir. Exigeons de notre gouvernement de faire une demande formelle d'institution d'un tribunal pénal spécial pour la RD Congo afin d'engager des poursuites contre les présumés responsables internes et externes des milliers de morts et de victimes de violations massives de droits humains évoquées dans le rapport Mapping de 2010. Nous demandons à notre État de manifester davantage son autorité et d'exercer son pouvoir régalien, de combattre particulièrement la corruption, l'impunité, de mettre hors d'état de nuire les complices de l'insécurité et d'affirmer sa souveraineté vis-à-vis des États tiers. Fort de notre collégialité affective et effective, nous dénonçons et condamnons vigoureusement les menaces de mort proférées contre nos frères dans l'épiscopat, Monseigneur Dieudonné Uringi, évêque de Bunia, et Sébastien Muyengo, évêque d'Uvira. Conscients de leur mission prophétique, ils n'ont fait qu'exercer leur ministère de pasteur, soucieux du bien-être et de la cohabitation pacifique des peuples confiés à leur sollicitude pastorale. Nous exhortons les acteurs politiques à se mettre sincèrement au service du bien commun. En tant que serviteurs du peuple, qu'ils se préoccupent de son bien-être et qu'ils soient prêts à lui rendre compte. Comme l'indique le pape François, il devrait se poser la question, non de savoir combien de personnes m'ont approuvé, combien de personnes ont voté pour moi, combien de personnes ont eu une image positive de moi, mais plutôt, quel amour ai-je mis dans le travail, en quoi ai-je fait progresser le peuple, quelle marque ai-je laissé dans la société, quel lien réel ai-je construit, quelle force positive ai-je libéré, quelle paix sociale ai-je semé,
qu'ai-je réalisé au poste qui m'a été confié? Conclusion. Peuple congolais, l'heure de nous mettre debout et de marcher dans la lumière a sonné. Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen. Qu'offert la lettre de Saint Paul aux Romains, 13e chapitre, 11e verset. Tenons fort et restons fidèles aux idéaux tracés par nos pères de l'indépendance pour léguer ainsi aux générations à venir non plus un Congo des pleurs et des larmes, des divisions et des guerres, mais un pays prospère, un Congo de paix, de réconciliation, de fraternité. Il y va de la responsabilité de chacun. Cependant, nous ne pourrons espérer réaliser notre rêve sans le Seigneur. Qu'offert le psaume 126, premier verset. Restons fermes dans la confiance en lui, le Tout-Puissant, et demeurons vigilants dans la prière. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, le Seigneur bénisse notre pays. Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2020. Les archevêques et évêques de la Sengo. D'après moi, la politique actuelle de notre pays, il faut que le président et ses ministres aient une collaboration ensemble avec les autres dirigeants. Oui. Par rapport au message qu'a laissé l'évêque diocèse de Butembo Beni, son excellence monseigneur Sikimusebe, qui a dit que la population congolaise et surtout nous de la province du Nord-Kivu, nous devons nous réunir pour que notre pays ne soit pas départagé. Et quelle est votre appréciation par rapport à ce message-là? Par rapport à ce message, il faut que les dirigeants du province du Nord Kivu qui collaborent ensemble avec les administrateurs des territoires. Et à la population maintenant? À la population, il faut que tous les chefs sensibilisent la population. Il faut que ces gens qui viennent avec du sel quelque chose qu'ils peuvent donner à la population, il faut que nous n'acceptons pas ces offrandes qu'ils amènent. Et parce que tu considères ça comme quoi? Je considère ça comme déjà le moyen de diviser notre pays. Je ne sais pas si tu as dit que Raphaël. Oui. Pour cela, bon, nous étant jeunes, nous devons quoi? Nous devons nous unir et mettre ensemble nos idées, ce dont nous passons. Et après quoi, notre pays peut avoir une nouvelle figure. Et ensuite, nous étant jeunes, nous devons aussi nous lever nos voix pour que un jour, la primauté aussi change. Parce que si nous restons comme ça et firmes, nous resterons toujours engloutis. Et notre message doit s'adresser à tout le monde, de s'élever
de ne pas se s'humilier, se sous-estimer quoi. Les jeunes aussi doivent s'unir, suivre aussi les informations. Parce que nous, étant jeunes, il y a une grande difficulté, nous ne suivons pas les informations état d'autres. Nous nous attelons seulement que quand nous sommes à l'école, on ne passe pas à la politique. Et d'autres professeurs nous disent quoi? Il faut que la politique se passe dans les rues. Et nous aujourd'hui dit, et nous disons, est-ce que dans les rues, est-ce qu'on peut avoir la politique? C'est ici à l'école où on devait faire quoi? On devait augmenter la capacité de notre mentalité. Le dernier message que je vais annoncer, que je vais dire à ceux-là qui nous dirigent, surtout à notre président Félix Tshisekedi, je vais dire quoi? De travailler pour le bien-être de tous, non pas travailler pour la vie privée, que nous sommes aussi des personnes. C'est Kambale Kanyo, bienvenue, encadreur de la GPLU, Association des jeunes pour lutter contre la pauvreté. Pareillement. Notre pays, nous avons constaté avec amertume que nos dirigeants politiciens ne sont pas en train de faire presque rien. Comme ils ne nous disent que seulement des paroles, mais des paroles non réalisées. Et s'ils peuvent nous aider pour la réalisation de ces paroles, quand même, ça sera peut-être un avantage pour nous, population de la République démocratique du Congo. Toi qui es ici, nous sommes à Lukanga, parce que le président peut avoir vraiment un mot pour la jeunesse de Lukanga, ou soit pour les autres jeunes, qui soient à l'intérêt même plus loin que Lukanga. Oui, c'est parce que cela est possible. Le président peut avoir un mot pour nous jeunes de Lukanga, par exemple, cela à travers nos dirigeants et des représentants de nos milliers de territoires, même des villages. Quel était votre souhait? Quel est le message que vous avez voulu que le président puisse donner vraiment à la jeunesse de Lukanga et d'autres? Pour le président, nous avons souhaité à ce qu'il fasse de nous, qu'il sensibilise ses dirigeants, ses représentants, afin que nous-mêmes, population, nous ayons quand même la morale d'organiser certains combats contre nos ennemis qui peuvent nous arriver. Oui. Dans ce message, son excellence, Monseigneur Koukounou-Kédek, a dit qu'il faut que la jeunesse et que tout le monde, population de Boutébène, puisse se coaliser, puisse être ensemble. Et qu'elle est en vous-même, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme dans ce message-là aux autres jeunes et aux autres personnes qui n'étaient pas ici à l'église? Pour nous, ici présents, je pense que son excellence, Monseigneur, l'évêque du diocèse de Boutembo-Beni, a presque tout dit. Il nous a informés de cela. Cela parce que tout est entre les mains des jeunes. Nous jeunes, nous pouvons faire à ce que le pays soit handicapé, soit le pays soit sauvé. Alors, il est très important à nous jeunes de nous organiser, de protéger nos frontières, tout qu'on sort. Et aussi le dernier message, aussi le massacre de Beni. Vous, quand vous étiez à Lukanga, est-ce que vous compatissez aussi avec ceux qui sont à Beni? Nous compétissons avec ceux qui sont à Beni, c'est là à travers nos prières, que nous ne cessons pas de lancer vers là. Mais pour les autres, je pense que notre pays compte plusieurs militaires. Et alors, nos militaires peuvent défendre les massacres et nous devons aussi les accompagner par certaines prières. Avec les musiciens dans la forêt pour venir à la paix dans notre pays. Quel est le message que vous pouvez avoir?
nous, en tant que jeunes, pour ceux-là qui sont en train de s'ingliner dans les groupes là des miliciens, nous les disons attention, parce que tuer une personne quand même, ce n'est pas si facile. Et je pense que peut-être à travers les prières, ils vont quand même cesser avec ces bêtises qu'ils sont en train de commettre. Oui, pour nos dirigeants, nous allons les lancer un message qu'ils s'organisent d'abord et qu'ils nous parlent très bien afin que nous-mêmes, nous ayons quand même certains supports pour défendre certaines choses, même certaines frontières qui sont à notre limite. De Kakule, Katsari, Ezekiel. Ok, on vous entend. Je réponds au nom de Mouindo, Kavalui et Joël. Le masque des anges, perdu à Misande, le manimatrice au Mousso à Lukang. On a vu à ce qu'on a fait pour que les gens ne soient pas en train de se faire. Quand on a vu que les gens ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Quand on a vu que les gens ne sont pas en train de se faire, ils Yekavira, Vanachilombo, Munavira, Vaka Hadi Amokotano, Sana Vamuhira, Hoksudi, Vatoka Uriacho, Chatuvaka, Vanyamakoro, Avo, Nario, Munavra to cut the secondary. Vabi and out of Mupango or Arakiva, Sandia Sandia, Obsakushi, Vachilombo, Yoka, and Yoko, never not to Mupango, Vangato Karatu Tessin to Kalaku and Gavakaji, Okutuuria. Makabatri, Tutampanangam Roma, a church at Rich and Ganashi Rich and the city to take a church at Chicago, Kataho, Mundakato Tolako, and I'm not going to younger, more Sidi Kibu, Marianga, and Menembu, Yavaria, Kabagara, Kavando, Vakasha, Senga, Bavari, Chakayo, Kukatu. Never took Trama, you put a put an hour to a Nova and Anataki, Hikayo, Nova Shai, Chakai. Jenanga to Karabanga, Mamma, Gaba, Diva, and Kumbe, Kunde, Gaba, Shari Travakanga, should do. Kunditwangana shishira dui every shikala amabo chameni nena mwasaroma mundu kundisha lita mukanjia na shishira ababa namuli uriechi echo cha tukoshi ini akasa akasha pelelezia nero aba mama unashi nabwe krize ikana rakaba byanga abakasa basavo na mama ngataba mtu mbono hama sa mudepite totare ye mama eh nero kawa mbo hali hiunyu nashi virove no alo nero mne atoka ta msane hiunyu koshi tunamuhuriechi echo cha mo Mamma, and all my uncle Tabranga, Mamma, Omraka, your more devoted at the Saba Saba, Muraka, Kuhakuhera, the more had your new compass at the Tatavata Hall, Uva Luba. Ama two were Angoko, a Corona Monavide. Yabiri hikia watueno. Neo mwafrike, tuanabele ngatutu ya bahati nene. Itwese, haba holide neba hake kure ngaba holide shine, haba holide Amerike. Nerema batu, akasi ima kundi tukana vya ngatuko wa mahano, awaba kato, wera. Nero, tuende leene riko. Je vais parler au moins de massacre qui se fait à notre pays, RDC. Moi, je dirais que les problèmes... C'est à nous-mêmes. Parce que si vous voyez, nous n'avons pas la paix parce qu'on ne se comprend pas nous-mêmes. Nous, André, nous gênons. Père André, nous ne, nous, on ne se comprenons pas. Et on a souvent dit que si nous, les jeunes, nous nous mettons ensemble, si nous prenons au moins une main pour se renforcer, sinon notre pays trouvera la paix. Parce que si vous voyez ici, dans notre province, Nord-Kivu, nous les jeunes, on ne s'encourage pas à être militaire ou bien policier.
ce sont des personnes-là qui ont mangé au moins, donc qui ont les souffrances dans le cœur, qui partent là. Alors, celui qui a mangé la souffrance, comment il va aider le pays? Toujours, il part là, en ayant le cœur là, au moins, qui est déstabilisé. Alors, si nous, les jeunes, nous nous mettons ensemble pour renforcer notre pays, sinon, un jour, nous trouverons la paix toujours. Oui, il y en a des tas là où on trouve au moins un jeune qui a fait des choses célèbres, donc des choses qui sont célèbres. Au moins, si on cherchait des jeunes qui sont célèbres ou bien qui ont réalisé au moins quand même une chose dans la population, toujours ils peuvent défendre la population là où ils partent dans les camps militaires. Moi, ce que j'ai comme idée, si d'abord, premièrement, je félicite Son Excellence Monseigneur parce qu'il nous a fait transmettre ce message-là. Alors, ce que je veux dire comme idée, si, comme il a dit, si nous mettons ensemble, chaque, au moins on prévoit un jour par semaine, nous les jeunes, ou bien ce qui concerne la paix, toujours on peut aboutir à la paix. Comme Monseigneur a dit, il y en a de ces gens-là qui commencent. Donc, la guerre commence dans nos cœurs. Vous allez voir, moi, avec mon frère, on va se battre à cause de la terre. Et après avoir se battre, quand nous n'avons pas trouvé la solution, nous, André, moi, avec mon frère, il n'y aura pas celui qui va dire que moi, je mérite, je veux la paix. D'abord, lui, il manque la paix. Et nous, André, moi, avec lui, on ne se comprend pas. Alors, qui va défendre l'autre? Alors, je demanderai que tous les gens puissent se mettre ensemble et avoir au moins la paix. Donc, l'union ensemble, l'union. Oui. Beaucoup de cas, non pas parce qu'ils n'existent, ils n'existent pas, parce qu'il n'y a aucune vérification, aucun test. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Et veiller sur les autres en respectant les mesures qui nous ont été données par les opérateurs sanitaires. Dès le début, vous plaidiez pour qu'il y ait un laboratoire ici. Bon, nous voyons un peu ce qui se passe dans notre pays. Nous pouvons nous réjouir qu'il y en ait déjà un à Goma, la capitale de la province. Mais nous aurions bien souhaité qu'il y en ait à Butembo et qu'il y ait un autre, même à Beni, pour le nord de la province. Alors, le Seigneur, le reste de votre message de la Congo, il semble être révoltant, non? Non, pas du tout. On ne dit que ce qui est. Ce que nous voyons, nous sommes avec le peuple, nous vivons avec le peuple et nous souffrons avec eux, nous compatissons avec notre peuple et nous parlons pour notre peuple. Non, la coalition pouvait peut-être produire quelque chose de bon, mais nous nous interrogeons sur la raison de constater que pratiquement il y a un blocage. Donc ça veut dire qu'ils ne s'attendent pas. Mais est-ce qu'on peut encore parler de coalition? Pour faire quoi? C'était pour faire du bien. Mais si ça fait reculer le pays, il y a de quoi sonner. Des dialogues, oui, mais combien de dialogues on a eu au Congo? On ne sait pas compter, c'est une... Mais si c'est le moyen pour arriver à quelque chose de bon, il faut tenter encore une fois de dialoguer. Et surtout, si ça doit se faire, il faut qu'ils tiennent compte des résolutions qui sortent de ce dialogue. Ne pas dialoguer pour faire la galerie, je dirais, pour amuser la galerie, ou tromper le peuple. Pourquoi pas, je crois que la Senko s'est bien prononcée et les évêques, la Senko est prête à
faire rendre ce service de beaux offices. Bon, nous, pas flué parce que nous n'avions pas, on pourrait dire, une préférence pour telle ou telle personne. C'était de d'abord savoir quelle serait la vérité des urnes, mais tout porte à croire que cette vérité-là n'a pas été respectée. Surtout moi qui vous parle, je suis à Butembo, nous n'avons même pas participé à ces élections, au moins présidentielles, aussi ainsi bien qu'à Béni, ville et territoire. Donc, nous n'y avons pas participé. Donc c'était déjà... Un arrêt de part, oui. Bon, donc c'est quand même ça. Est-ce que on avait le droit de nous priver des élections ou c'était par peur? Nous appelons nos concitoyens à être vigilants, à ne pas participer à tout ce qui peut entraîner à la perte ou à la confiscation de notre souveraineté. Peut-être à partir de l'intérieur. Oui, Son Excellence, Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, nous a parlé de ce qui se passe au sein de notre République, la RD Congo. Nous, étant que citoyens de la République, nous devons structurer notre mentalité. Il faut voir les structures mentales. À cela, il a ajouté que nous devons être vigilants par rapport aux maladies qui sont en train de nous attaquer, arriver par ici, par là, et des maladies qui n'ont pas de signification. Et ce que vous avez dit, il a parlé, pardon, de la prudence de la population. Oui. Comment la population peut se protéger contre les différents morts qui nous arrivent dans notre pays pour diviser le pays, pour tuer les gens, les massacres partout par là? Pour qu'il n'y ait pas de famille à vous, ça, si. Et tu n'as pas de mal à la vie, tu n'as pas de mal. Ati kandi obukoni sibu endiri wabirita shatsuka kandi ya France babiri chingechi ebisomo nalyo ine mulaye tukabura ko banunga batasi obukoni ngongo ko bune kumbe bamenye obukoni ngoko bune bendele atune ribu safi ko buli ndambi mundu na namuna bokubya la sabuni amabisiri wo ya ma ribu etu namu ikakiria na ziri panga pangana basi ye verenga ebi amani matusi soma asante de personne innocente. Femmes, enfants, vieux, amenés dans le forêt. Et pour voir en 2012, nos trois prêtres au lycée de l'Assomption qui ont péri de la même manière, et dont nous n'avons aucune nouvelle. Et le pays, je ne crois pas avoir attendu que cela ait inquiété le pouvoir qui nous administre. Parce qu'on est étonné de voir que des pays, d'autres pays du monde avancé, pour un seul citoyen, tous les citoyens sont informés et peuvent se mobiliser pour dire que cela ne se fasse plus. Chez nous, ça ne semble pas être le cas. Passe dans un silence indifférent, comme si quand on est autorité politique, on dit oui, nous comprenons, nous allons essayer de mettre fin à cela. Donc ce sont des promesses, mais nous voulons qu'on fasse des promesses qui soient efficaces et réalisables et qu'on prenne le moyen conséquent pour réaliser ce que est dit. D'être des hommes de parole. Autrement, il vaudrait mieux se taire. Est-ce que pour terminer, la fois dernière, quand il y a eu meurtre de 21 personnes du côté de la population, en déversant la Sainte-Esprit par terre, ça dit quoi? Cela est le signe évident que même le sacré n'a plus de place dans la vie de ceux qui commettent de tels actes. Parce que, bon, un tabernacle
où des gens viennent prier. Et ça serait, je ne sais pas, dans une mosquée, il y a un lieu certainement considéré comme sacré. On ne peut pas se permettre d'aller voir ce qui se passe en France pour une scène de sacrilège, de profanation, parce que ce qu'ils font, c'est aussi contre eux-mêmes. Ça les dégrade que les gens reviennent. Mais nous devons, et nous continuons toujours à remercier nos agents pastoraux qui sont restés à leur poste à dépit de toute cette insécurité. Ils sont restés fidèles et les quelques habitants qui sont encore là, ils demeurent parce que les pasteurs, les agents pastoraux sont aussi là. Et c'est encourageant. Donc c'est pour dire que quand nous parlons, nous savons de quoi nous parlons parce qu'on est, je dis encore une fois, on est avec notre peuple, on est au milieu du... Voilà, donc quelqu'un qui venait juste d'achever sa formation pour aller évangéliser, il devait être installé ce dimanche, il a été sauvagement égorgé, donc dans la nuit de sécurité, de redoubler peut-être d'efforts, de vigilance et de veiller au bien et aux personnes. C'est aussi une mission que toutes ces forces ont d'accepter, tous ceux qui y travaillent. Et il faudrait savoir si dans cette contrée-là, il n'y en avait vraiment pas, lorsque ces faits se sont passés. Il faudrait bien savoir s'il n'y avait vraiment rien, alors que c'est réputé quand même une zone assez dangereuse. Nous allons savoir dans le rapport, est-ce que combien de personnes, est-ce qu'il y a encore de personnes qui sont restées là-bas. Mais le premier instinct, c'est d'abord d'aller dans des endroits plus sécurisés, quitte à revenir de temps en temps dans leur champ pour avoir de quoi manger. Mais là, on ne peut pas, devant la mort, personne ne peut attendre qu'on vienne vous égorger. Mais comme vous avez dit, ils ne sont pas volés. Les personnes entourent, en commençant par sa propre famille, d'éviter tout ce qui peut entraîner des conflits. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, je crois pour moi c'est un résumé du commandement de l'amour. Dit ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça à autrui, à votre frère ou à votre soeur. Donc enfin, l'ennemi peut quand même se défendre. Si vous en avez l'occasion, c'est la légitime défense, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est une expression. Donc ça, je crois que c'est même instinctivement, même les animaux le font. Ce qu'on a appris par la radio, qui va être peut-être précisé par le rapport, quand ce genre-là arrive, on a l'impression que tout a été préparé d'avance et qu'ils vous surprennent. Ils savent à quel moment ils peuvent vous surprendre et s'ils sont armés, vous n'avez même pas le temps de vous pour certaines attaques qui ont lieu. Est-ce qu'il n'y a pas de complices au sein même de forces chargées de sécuriser les personnes et leurs biens? Est-ce que parfois il n'y en a pas? Et dans la population, est-ce qu'il n'y a pas de... Quelqu'un peut venir, je ne sais pas, de l'étranger et venir opérer ici sans qu'il y ait quelqu'un qui lui montre le chemin par où passer et où habite la prochaine victime ou quoi ça. Donc je crois qu'il y a des choses sur lesquelles on ne devrait pas chercher à se défendre, en tout cas à justifier. Je ne me hasarderai pas.
comme veilleur devient voleur. Oui, c'est ça. Et c'est de, je vous remercie. J'espère que ce message donnera à pas simplement à réfléchir, à être des hommes de bien, à être des hommes justes et à travailler pour le bien-être de chacun de nous. Parce que lorsqu'on cherche à faire du bien pour les autres, on le fait pour soi-même. Commencez par les autres et puis les conséquences, vous allez en bénéficier aussi.